Et salut tout le monde, c'est Draken. On se retrouve donc aujourd'hui pour le dernier épisode de notre aventure sur Paper Mario, la porte millénaire. La dernière fois, nous avions enfin ouvert la dite porte et nous sommes engouffrés dans le donjon final. Nous avons été attaqués par Marjolaine que nous avons vaincu. D'ailleurs, les cadavres ont disparu. Et du coup, on avait débloqué un chemin après avoir résolu toutes les énigmes de la tour qui est là, afin de descendre plus profondément dans le donjon. Oh là là! Et juste revenir Goumeli, histoire de pouvoir être sûr que tout le monde, tout est analysé. Non, non, je veux pas. Bon, c'est bien, on avait déjà analysé tout le monde. Autant dire, c'est parfait. Ah, je vous demande juste un instant. Désolé, ellipse! Donc, on en était. Ah, oui, fallait combattre ces trois trucs. A perdu. J'ai perdu un PV. Ah, ils m'ont lancé un truc sur la gueule. On m'a lancé un truc sur la gueule, c'est ça? Bon, bah d'accord, j'ai compris. Ils prennent aussi peu cher. Ils prennent plus au marteau. Ok, bon, bah s'ils prennent au marteau, dans ce cas-là, on va juste changer. Changer de partenaire. On va mettre Bombard. Hop. Habiliter un petit Big Bang histoire de bien rattraper. Voilà. Ah merde, oui, c'est vrai que lui, faut pas faire comme ça. Normalement, celui-là, si j'ai bien vu. Ah bah non, j'ai pas bien vu du tout. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'on gagne encore de l'XP, ça c'est bien. On va se taper un petit level up des familles là. Ça va être délicieux. Oui. Un petit éclair. La poudre. Ok, alors attendez. Un smogo. Ouch. Pas de gros boom. Non, pas de gros boom. J'ai pas envie. On va utiliser un coup d'étoile. Murez, mes créas! Murez tous! Par contre, en vrai, on dirait pas, mais sur émulateur, du coup, l'attaque étoile, c'est presque l'une des attaques les plus dures du jeu. Parce que c'est psychologiquement dur d'avoir A, B, X et Y d'inverser par rapport à une manette Nintendo. Donc c'est très compliqué.
Allez, la dernière augmentation de PF. Bah oui. A et B sont inversés entre eux. Et X et Y sont inversés entre eux, entre Sony et... entre Sony. Entre Xbox et Nintendo. Donc c'est très perturbant. C'est d'ailleurs pour ça que je galérais un peu sur... sur Mario et Luigi. Justement à cause de ça. Un petit Yoshi. Encore, t'as pas encore fait Partner in Time. Ouais. Ça, je sais que je l'ai pas encore fait. Et il arrivera. Il est prévu au programme. C'est même... C'est peut-être même possiblement le prochain jeu Nintendo qu'on fera. Donc ça sera pas directement à la suite de celui-là. Mais en tout cas, possiblement, on le fera... On le fera assez rapidement. Quoi ça? Ah oui, c'est la cape esquive. Oh. J'ai le bout pour être intangible, donc... Ok, alors... Nous avons deux choix possibles, parce que là, ça va nous emmener... Voilà, là où il y a les blocs. Monter ou descendre, il faut aller voir. Il est plus là. Donc petit Yoshi, viens avec moi. Mmh. Ça va être un peu long, je sens. C'est pas ce qui était prévu, mais c'est passé. C'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi je prends Koupek? Je veux Goumeli. Oui, c'est au-dessus. Genre, ça touchait pas. Non, mais elle est où? Ok, elle est sur le trait jaune. Et noté. Pardon. Ok. Bonjour. Oh, le marteau qui est passé au travers. Ah. Bon, tant pis. Allez-y, attaquez Mario. Oh yeah. Ouch.
On gagne encore de l'XP, hein. On peut peut-être encore gratter un level avant la fin, moi je dis. Hein. J'y crois pas, mais je me dis que peut-être c'est possible. Un level, tu penses que... Ouais, cool. Pourquoi je t'ai lu, Sima? Pourquoi je t'ai lu? Le temps qu'on a perdu sur ce fight. Une étoile filante. Ah, oh, vas-y. Gna gna gna, c'est pas ma faute, gna gna gna, c'est la tienne, gna 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 gna. Bombard, c'est l'allié qu'il nous faut. Voilà, c'est moi qui ai foiré mon coup, c'est pas un souci. Étoile, poulie, stop! Tout ce que j'entreprends. Parfait. Avant l'arrêt, j'étais chaud. Là, je foire tout. Bingo, qui ne sert à rien. Grid.
1, 3, 4, 6. Ah bah c'est fermé, j'ai pas de clé. Koupek, va chercher. Oui. Ah, je l'avais vu. Faut rappeler qu'il était là. Oui, tout seul. Vite. Vite. Au moins. Pas de démultiplication, pas de combat à rallonge. Alors, on se met tout au bout. 1, 3, 4, 6. Coucou Shira. Le manège, il tourne. Regardez. Le retour de Stormy Ascent. Non! 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 Pas Stormy Ascent! Non, non! Voilà! Voilà! Tu vois les PTSD que tu déclenches, Sima? Tout est ta faute! C'est ta faute à toi! Et à toi seul! Honte sur toi! Honte sur ta vache! Et honte sur ta famille! La relique de platine! Non! Oh non! On nous fait les reliques de platine. On nous. Honte sur Bubule. Nya ha ha. Oh yeah. Oh. Échange, vas-y. Hein. Oh non. Oh oh. Oh oh. Oh oh. It's cushy. Nya oh oh oh. Ce sont les énigmes. Bombard, dégage.
Fallait pas que je m'arrête là, je crois. Dégage le chien! Explosion! Nick. Sale bête. Ah oui, non mais complètement, c'est... S'il y a un pouvoir étoile à retenir, c'est celui-là. Je pense que c'est petit Yoshi pour le coup parce que j'ai rien d'autre. Les escaliers sont petits. Ah putain, elle est pas sur le bord, elle est au centre. Et au moins c'est rassurant, c'est petit Yoshi, je me suis pas planté. La plateforme qui a de la profondeur, mais tu le sais pas. Ouais, y a pas de profondeur, justement. C'est l'arnaque. Oh! On a raté des choses. Pas pris un seul hit. Il a pas pris un seul hit. Il a pas pris un seul hit, le bâtard. Ça va mieux. Je me sens mieux d'un seul coup. C'est le plus gros flex qu'on ait jamais fait depuis le début de l'aventure. Thank you.
Bingo! Cet épisode! Elle fait un bingo sur les points fleurs. Super champi, soigne 10 PV. Si, 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 je sais ce qu'on va faire. Hop. Laissez le champi vie. Hop. Allez dans l'inventaire. Mangez le super champi. Et récupérez le champi vie. Oh, une fois que je gagne un truc. Il est venu me faire un câlin avec une gentillesse absolue. Te prêter sa pommade. Oh, il est gentil, il voulait mettre la pommade. Oh, la pommade. Wiki, wiki, wiki. Book. Mollo, je me l'étale. C'est le super pouvoir étoile. C'est la vie. Oh, Kenneth, que c'est mardi. De l'huile de spy. Je... Non, je ne vais strictement rien dire. Je ne vais rien dire. Spy et toi, vous êtes des adultes consentants, donc je ne dirai rien. J'étais en train de boire, Sima. Ah. Oh, quel endroit sinistre! Je me demande où on est! D'ailleurs, pour le principe, Goumelia, reviens. Enchanté, Mario! J'espère bien te rencontrer un jour! C'est le chef des affreux. Lui-même. Je suis Crux Sinistre, le grand maître de l'organisation secrète des méga Cruxis.
Je dois vous témoigner toute mon obligeance. En effet, vous allez réussir à réunir toutes les gemmes étoiles que nous cherchions. Hein? Et alors, la dernière, celle qui était cachée sur la Lune? Vous n'êtes pas très vif, on dirait. Oui, plutôt que de chercher à vous reprendre toutes les gemmes étoiles, j'ai préféré vous laisser la dernière et attendre que vous ouvriez la porte pour moi. Cette méthode m'a semblé plus rapide. J'ai donc laissé la dernière gemme aux mains de mes incapables. L'excellence n'a sûrement pas compris la faute. Mais je savais, moi, Mais je savais, moi, que quelle qu'allait être l'issue de votre affrontement. Je pense qu'il y a eu un problème dans la trad. C'est pas du tout français. Lequel qu'allait me pose problème. Il y aurait eu le... que quelle allait être l'issue de votre affrontement, ça m'irait, mais ça me gêne. Je savais, moi, que quelle allait être l'issue de votre affrontement. Et j'aime servir au plus vite mes desseins. Remarquez, je pensais que l'obscur triomphe retarderait un peu plus longtemps. On ne peut vraiment se reposer sur personne, c'est incroyable. Je vais donc devoir faire le sale boulot moi-même. Méfie-toi, Mario. Ce type-là ne m'inspire rien de bon. Une fois votre contre réglé, plus personne ne me barrera la route vers le trésor. Et je pourrai enfin devenir le maître du monde. Et tu ne nous battras pas. C'est ce qu'on va voir. Le monde sera bientôt débarrassé de vous, microbe. Vous allez très vite mesurer ma puissance. Ok, let's go. Premièrement, Goumeli indique sur le protécru. C'est un protécrux, un mécanisme de défense magique de crux sinistre. Il a 3 points de vie, 4 de puissance et aucune défense. Il n'est pas dangereux en lui-même, mais il augmente la défense de crux sinistre. Surtout quand il y en a 4 de sortie, ça devient très difficile de blesser. Essaie de les éliminer tous en attaquant crux sinistre, vous saisissez ? Oh, brutal. Je vais pas venir, ça. C'est Crux Sinistre, le chef des méga Cruxis. Il a enlevé la princesse Peach. Il a 50 points de vie, 7 d'attaque et 1 de défense. Sa défense augmente proportionnellement au nombre de protex-crux qu'il a. Poudre, feu et arrêt du temps sont les attaques de prédilection. Contrairement aux autres, il se prend très peu au sérieux, un sinistre personnage. Ah, ne t'en fais pas. Débarrasse-t'en et vole au secours de la princesse Peach. Giga Bingo, non, on en aurait bien eu besoin pourtant.
C'était pas prévu au programme. Ouais, j'aurais dû déjà te changer maintenant. Allez, on change. On change de partenaire. On envoie Bombard. Ah merde! Oh, je suis con. Complètement con, moi, j'ai pas ouvert les yeux. Il a que des attaques à altération, ça va être dangereux. Ok. Parfait. Pas très mal. Tout va très mal. Tout va très très mal. Ben bien sûr, là je peux pas flex 107 ans. Ah, je comprends pourquoi vous avez toujours trouvé, vous êtes toujours trouvé en travers de ma route. Mais c'est terminé. Ouais. Ça donne vachement l'impression qu'on était au milieu de ta route, hein, vu la gueule de l'affrontement. Pas le bingo, je préfère pas prendre de risque pour le coup. Ça n'arrête plus les agressions là.
Ça risque de pas passer. Ça risque de pas passer. C'est moi qui ai grid sur celui-là. Ouch. Alors. Là on fait de magie. Voilà pour vous. Mario. Allez, encore un coup. Oh non, Mario, c'est terrible. Comment faire, Mario? Il va nous avoir sans même que l'on combatte. Oh mon dieu! Devons-nous rester sur place? Devons-nous attaquer? Que devons-nous faire? Je ne sais pas! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Je sais plus ce qu'il faut faire. Pour le coup, je sais vraiment plus en fait. Ça change un truc, il y a un game over caché. Quoi? Vous osez me brander? Alors, le sort de la princesse Peach vous indiffère? Très bien. Bowser? Oh, pas une surprise. Encore tombé à plat. Oh, Sir Bowser, est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que Mario fabrique ici? Oh, la princesse Peach est là aussi. Oh, on prend rien. Mais faut pas rater cette chance. Mario, je vais te réunir en bouillie et récupérer le trésor et la princesse. C'est un peu fort. Bowser s'y met aussi. Pauvre Mario, tu ne fais pas le poids contre moi. Prépare-toi, je vais te réduire en miettes. Et on continue. Bon, c'est pas finir cette histoire sans moi, hein? Je vais te liquider, Mario, et Peach sera à moi! Oh, Mario, Sir Bowser va te régler ton compte! C'est Kami Koopa, une mamie magicienne qui suit Bowser partout.
Elle a 50 points de vie pour 5 d'attaque, mais aucun point de défense. Elle utilise différents sorts pour soutenir Bowser et nous enquiquiner. Quand ses PC sont bas, elle se soigne par magie. Avec tous ses sorts à la noix, il ferait bien de t'en occuper avant Bowser. Ça ne doit pas être facile de toujours être avec Bowser. Roma, je me demande s'il faudrait pas plutôt plaindre Bowser en fait. La boss Waka! C'est vrai que je me rends compte que je parle pas beaucoup, ça, je suis concentré sur les failles du coup. Ouch. Je me rappelle les attaques de Bowser et ça, ça va être compliqué. Oh, 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 oh. Ouch. Ça, ça va faire mal. Wow. Par contre, c'est pendant deux tours. Et putain! Il chie dans la colle. Maintenant, elle a 3 de défense. Avec moi. Ah oui, la grosse carapace. J'ai tendance à oublier qu'il a cette attaque. Le petit champi séché gratuit, merci. Oh, elle se soigne la vieille. J'appuie. Ok. Alors. Ouais, on va plutôt faire ça. Je me débarrasse tout de suite de mamie. Voilà.
pardon, Sir Bowser, mais c'était fini le mois. Pauvre Coupec. Le champignon de la vie. Voilà. Maintenant, on va se recharger sur le reste. Comment ça joue le brouillard? Ah, complètement, sur le coup, c'était... C'est pas ma faute, hein! C'est le brouillard qui veut pas partir! Ah non, tous les ponies se sont enfuis! Reset. Reset. Y a pas de pouni, y a pas de match. Regarde, c'est mort. Changer Mario, tout en muscles.
Par contre, ça va, la Luck. Invincible. Oh, on l'a échappé belle. Deux de moins. Allons vite sauver la princesse Peach. Comment ? Sacre bleu ! Crux sinistre a disparu ! C'était la voix de la princesse Peach ? Même réflexe, t'es demi-tour ! D'abord la sauvegarde, l'anticlimax, la sauvegarde. Ultra champi gratuit, tu sens que ça arrive à la fin là. J'avais oublié que le level up ne soignait pas tout le monde. Cadeau gratuit de fin de game. Oh. Dommage, Mario. J'arrive encore trop tard. Comment ça, trop tard? Le sarcophage de moi, derrière moi. Et le fameux légendaire trésor. L'âme du démon de la légende est enfermée à l'intérieur. Je vais me servir du corps de Peach pour faire revivre la sorcière d'antan. Te servir du corps de Peach? Ah, Mario, tout a commencé quand je t'ai envoyé cette carte. Pardonne-moi. Avec la force du démon, dominer le monde sera un jeu d'enfant. Et ce moment est enfin venu, le monde va être mien. Reviens dans la vie, reine des ténèbres!
Le monde est enveloppé d'un nuage de ténèbres. Que se passe-t-il? Je ferai une save au dé... Je ferai une save state au début du fight à cause de ça, hein, au cas où. Ça pue, c'est en train de doucement de puer. Oh non. Ellipse, je reviens. Oh le ciel, oh mon dieu. Que se passe-t-il? Le ciel, il s'est complètement obscurci. Bon, alors avant de continuer, faut que vous m'aidiez. Qui m'appelle? Qui m'appelle? Quelle voix des deux? Laquelle? La première, la deuxième? Faut que j'en choisisse une. Je sais pas qui choisir. Ou alors je vous détruis. Oui, c'est le. Qui m'appelle? La première. C'est moi. Cette chose. Pourquoi pas? Quel corps destines-tu à mon âme? Oh, celui de la jeune fille. Ah, je vois. Il fera l'affaire. Il nous faut aller chercher les dernières boulettes afin de nous protéger de la fin du monde. Non, ça était quoi? Quelque chose d'incroyable a dû se produire. Mon accent russe s'est renforcé depuis la dernière fois. Ça alors, la force des ténèbres dont parlait la légende serait enfin revenue à la vie. C'est très abominable. Vous êtes témoin de ma renaissance. Mon âme et mon corps ne sont pas encore parfaitement unis, et cela ne saurait tarder. Mon âme s'habituera rapidement à son nouveau réceptacle.
Mais Peach! Chère sorcière, débarrasse-nous de ces indésirables! Impertinente! Tu oses me donner des ordres? Qui es-tu? Pardon? Oublie-tu qui que tu me dois ta renaissance? Mais ce n'est ni l'heure, ni le lieu pour tout ça. Écoute-moi simplement. Je t'ai ramené à la vie. Apprends à tenir ta place, insolent. Je ne reçois d'ordre de personne. Il semblerait que je n'ai pas encore récupéré toutes mes forces. Ce problème se résoudra bientôt de lui-même. Qu'est-ce qui va nous arriver, Mario? Oui, c'est... Majesté? Oui! Vous êtes revenu à la vie, Majesté! Marjolaine! Cela faisait si longtemps! Alors, c'est toi qui m'as ramené à la vie? Oui! J'ai cherché une jeune fille pure qui puisse servir d'hôte! Répandu de fausses informations sur un certain trésor! Oh, fait trouver les gemmes étoiles pour dévorer un cupide et briser le sceau! Oh, tu as bien le vrai! Majesté, je vous en prie! Mais... qui sont ces personnes? Vous êtes bien ordinaire. Pouvez-vous me servir? Si vous devez mes valets, je vous épargnerai. Qu'est-ce qu'on fait? On va quand même pas devenir ses valets. Je veux voir. J'ai jamais fait de ma vie, je veux le voir. Oh! Je vois que vous êtes raisonnable. Parfait. Vous êtes donc devenu mes valets. À tout jamais. La sorcière légendaire au redoutable pouvoir est revenue à la vie. Adviendra-t-il de Mario et de la princesse Peach? Du monde? Vous ne le saurez jamais. Ceci était un univers alternatif où c'est jamais arrivé. Je vois. Vous voulez me tenir tête? Comme c'est intéressant. S'il en est ainsi, il va me falloir vous punir pour votre imprudence. Let's go. Je refais une save state. On se donne le droit après tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Comme il faut être stupide pour oser me provoquer. Cette bêtise, vous allez la payer de vos vies. Mario, nous devons nous débarrasser du monde de cette sorcière. Souviens-toi qu'elle n'est pas Peach. Ne retiens pas tes coups. Je me suis planté save. Je me suis planté de bouton. Pardon. Bravo! Ça va, au moins y'a rien. Ah, le stress qui prend le pas. Voilà, petite save state à cause du crash de tout à l'heure. Voilà, et sur ce, c'est parti! Mais c'est quoi ça? Princesse Peach est possédée? C'est la reine des ténèbres. La créature qui détruisit la ville il y a des 1000 ans. Elle a, waouh, 150 points de vie, 7 d'attaque, aucune défense. Elle lance de la foudre. Elle peut aussi augmenter sa puissance et sa défense ou absorber nos points de vie. Il semblerait qu'elle puisse aussi nous plonger dans les ténèbres. Je sais que tu ne veux pas attaquer Peach, mais tu ne peux pas la laisser faire. Dis-toi bien que ce n'est pas Peach. Tu dois la vaincre.
Let's go. On va quand même continuer sur ça. Ou alors... Ouais. Vous êtes assez fort, je m'y attendais. Je commence aussi à m'habituer à ce corps qui manquait d'exercice. Vous allez bientôt goûter à ma vraie puissance. Maintenant, je vais vous réduire en poussière en un clin d'œil. Réjouissez-vous de pouvoir admirer mon apparence réelle avant de mourir. Ok. On recommence. Ah merde. Oh, ne baissiez pas les bras. Watch. Ok. That was unexpected. Il est temps que vous preniez conscience de la puissance. Ok, il y a un truc que j'ai pas compris alors.
Par contre, sans déconner, je sais plus ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut faire. Et c'est en train de m'inquiéter. Est-ce que faudrait que je la réanalyse? Est-ce que ça me donnerait... Est-ce que ça m'aiderait si je la réanalyse? Vous êtes faible. Oh putain, non, ça m'embête. Et voilà. Les blessures que Bovaz avait infligées sont déjà presque guéries. Attendez un peu, je vais vous corriger dès à présent. Comment faire, Mario? On n'a aucune chance. Ok, c'était scénarisé. Ah, je vous le demande une dernière fois. Voulez-vous me servir? Si vous acceptez, je vous laisserai la vie sauve. Pas question. Très bien. Puisque c'est ce que vous voulez, préparez-vous à recevoir le coup de grâce. Les gemmes étoiles. Oh. Les boss à scénarium, j'avais oublié. Qu'il y a une cinématique. Alors attendez, je me repermets. Oh tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une gemme étoile, patriarche. Mais normalement Mario devrait l'avoir avec lui. Oh, oh, ça peut être un rapport avec le brusque obscurcissement du ciel. Ah, possible. Ça veut peut-être dire qu'il est arrivé quelque chose à Mario et Koopek. Certainement pas. Il ne peut rien arriver à Koopek. Il m'a promis qu'il rentrerait sain et sauf. Oh, une gemme étoile. Mais... Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? C'est drôlement bizarre! Oh, mais j'ai pas de t'inquiéter! Mais rien, rien! Rien des problèmes! Ah, c'est ce que la gemme étoile va nous dire! Pourquoi? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Remarque, t'as peut-être raison! Ah, c'est sûrement ça! Oh, la gemme nous rapporte le message! Oh, Mario et ses amis devaient être en train de combattre pour le salut du monde! Nous sommes avec vous! Au courage! On vous peut le faire! On croit en vous! Gonzalez. Enfin, Mario. Tu dois être quelque part en train de combattre pour nous sauver. Quel message de cette gemme étoile vient de nous transmettre? Je ne peux rien faire. Mais. Je me veux t'accompagne pour la victoire. Oh, vas-y, Gonzalez! T'inquiète! Si tu m'as battu, tu peux vaincre n'importe qui! Ouais. Tu peux, si tu nous as battu, tu peux leur mettre la pâtée. Allez, vas-y! On est tous avec toi! Vas-y, Gonzalez! Mario... Me laisse pas faire, Mario. Vas-y, ne vous laissez pas faire.
Allez. Mario est en difficulté. Il est battu. Le monde entier restera plongé dans les ténèbres comme celle-ci. T'inquiète aussi pour cette jeune fille. Vous savez, elle qui est partie avec Mario. Viviane, c'est ça? Tout ira bien. Mario ne peut pas perdre. Regardez, il a délivré le village du sortilège du fantôme. Je peux lui faire confiance. Il parviendra à ramener la lumière sur le monde. Allez Mario, tu peux le faire. Oh, allez Mario, vas-y, tu peux le faire. Oh, mais c'est quoi ces chuchotements de timoré? Plus fort que ça! Allez Mario, vas-y bébé! Plus fort! Ah! Allez, vas-y Bombard, montre-leur ce qu'est être un vrai marin! Allez, vas-y! Oh, j'espère que tout le monde va bien. Inquiétude, madame. Je sais que Luigi est capable de sauver le monde. Et en plus, il a emmené une assiette de boulettes avec lui. C'est forcément un signe de victoire. C'est tout de même mon meilleur disciple. Oh, il y a tout de même de quoi s'inquiéter. Je redoute que l'avenir de Barin ne soit des plus sombres. Eh bien, en voyant Mario, tous nos encouragements. Cette pierre splendide lui transmettra sûrement nos ondes positives. Wesh, on bien dit, papa. Vas-y, Mario, et vous tous, accrochez-vous tous. Et surtout, pensez au pouvoir des boulettes. Quoi? Mario? Gonzalez? C'était pas Luigi? Que diable cela veut-il vouloir dire? Bref, tout le monde est là. Oh, très bien. Allons-y. Mario, ah, tu peux sauver le monde. Allez. Courage, Mario. Tu peux sauver tout le monde. Je ne vais pas faire les milliards de doublages qui passent. Ça alors? Tu entends Mario? Toutes ces voix. Ils unissent tous leurs forces aux nôtres. Quel est donc ce vacarme? Mario, regarde. Ces lumières. Oh. Oh. Non. Mario. Non, Mario. Hein? Cette voix? C'est celle de la princesse? Mario. Mais... Quoi? Cet enfant me tiendrait tête? Mario. Je t'envoie mes dernières forces. Ça alors? Je crois que j'ai retrouvé toutes mes forces. Sale gamine. Au revoir, Mario. Je crois en toi. Peach, non! Ah, petite finaude! Les ruses sont inutiles, et je suis la reine après tout! Round 2! Fight! Mario, finissons-en!
C'est moi qui vais en finir avec vous. Oui. C'est fait, Sima, c'est fait. Oh. Bon, une fois que c'est pas Sima qui abuse du save, tout va bien. Cette fois, c'est la bonne. Je vais tout donner pour toi, Mario. Oh, vous allez payer. Bingo! Pas fou, hein, tu crois quoi? Sérieusement, elle recommence encore? Oh. Ce serait trop beau de réussir, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Si elle veut spammer, pas de soucis, moi je vais spammer aussi. Sur ce tour. Ah merde. Tant pis.
Attendez un peu. Encore? T'es sérieuse? On peut jouer au même jeu, hein? Tu veux spammer ton attaque? Bah je vais spammer mes boosts. Vas-y. Plus de défense, ça y est. Oh merde. Désolé. Si elle utilise ses mains, je crois qu'elle va se régénérer. Donc, sur ce coup, c'est des dégâts fixes? Merde. Combien j'ai? Ouais, tant pis. J'accepte, mais on va pas la laisser se heal.
Est-ce qu'on vous a déjà dit que Viviane était super forte? Jean, putain. Bingo. Non, je peux pas, tant pis. Faut que j'aille se soigner. Sur le coup, elle va se full heal ou pas? Si ça passe, elle se full heal ou pas? Non? Ok. Ok, je croyais que les... en fait, c'est juste que je croyais que les petites, elles faisaient aussi comme dans la première partie du fight, c'est-à-dire qu'elles allaient dans le public et qu'elles bouffaient une partie du public. Je savais plus si elles faisaient ça ou pas. Ça, c'est pas le heal gratos de Bowser, ça c'est certain. C'était ça l'attaque, ok. Allô? Allô? Pas grave. On va le finir. Le finish au dessin? Allez. Attends un tour pour Astro Build. C'est aussi une possibilité. Par contre, alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, du coup, c'est un petit coup de charme. Quatre, six, parfait. Ensuite, je vais quand même claquer un ultra champi pour le principe, pour éviter que ça tourne mal. Ah oui, pendant qu'elle se booste. Tima, si tu y tiens tant que ça, on va manger le champi séché.
Et c'est même Viviane qui mangera le champi séché. Et surtout, va en enfer! Je sens que ça va encore chauffer pour nous. Fuyons, Marline. Non mais, attendez-moi. Ah, c'est Speech. Mario, viens voir. Elle n'a rien. Pas la moindre égratignure. Où suis-je? Mario? C'est fini. Pardon, Mario. Excuse-moi de t'avoir attiré dans cette aventure dangereuse. Tout va bien, princesse. Ne vous inquiétez pas. Merci. Et je le soufflais plus. Oh, tu étais là, Mario! Je crois que c'est le vieux, ouais. Ces sinistres individus s'en sont même pris au vieillard que je suis. Comme je m'inquiétais, je suis venu voir si tout allait bien pour vous. Mais apparemment, je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Tant mieux, je suis rassuré. Oui, moi aussi je suis indemne. Mais regarde plutôt. J'ai trouvé ça en chemin. Ce ne peut être que le trésor de Port-la-Canaille. Ma théorie se vérifie enfin. Je peux prouver qu'il existe le trésor légendaire. Professeur Gemenstein? Non. Pas de félicitations. Tout est bien qui finit bien. Mais si nous sortions plutôt de cet endroit sinistre. Ah, oui. Bonne idée. Entrons tous chez nous, Mario. Vraiment? Vous nous quittez déjà? Dommage. Je me disais qu'avec vous, avec vos recherches... qu'avec vous, mes recherches avanceraient plus vite. Professeur, vous ne pouvez pas accaparer ainsi Mario pour vos recherches. Moi, par contre, je vous aiderai si vous êtes d'accord. Oh, vraiment? Mario, si tu dois t'en aller, ne nous oublie pas. Je fais... D'accord. Ah, je fais pour ma part le vœu que tes aventures soient toujours plus belles. Ne jamais laisser tomber. J'ai beaucoup appris pendant notre voyage. Merci beaucoup.
Pense à moi de temps en temps. Wesh Mario, grâce à toi, je crois être devenu un petit peu plus courageux. Et puis, je crois que je m'aime un tout petit peu plus. Je ressemble un peu plus à mon père, peut-être. Enfin, je crois. Oh, chérie, je crois que je suis prête à remonter sur les planches. Après cette quête, je sais que ce que je désire par-dessus tout, redevenir comédienne. D'ailleurs, la chaleur des projecteurs me manque. Surtout, viens me voir sur scène, toi aussi. Au revoir, Peach. Gonzalez, enfin, Mario, et m'embrouille, tu sais, pour moi, tu resteras toujours Gonzalez. Et Super Gonzalez restera le champion préféré de petit Yoshi né dans l'arène. À bientôt. J'espère vraiment te revoir très très vite. Mario, tu sais, je... Non, non rien. À vous voir côte à côte, vous formez un joli couple, Peach et toi. Je me souviendrai toute ma vie du voyage que nous avons fait ensemble. Alors, toi aussi, pense à moi de temps en temps. Mario, j'ai une chance folle de te rencontrer. Sans toi, j'aurais continué à ignorer les dernières pensées de ma pauvre Scarlett. Je vais peut-être reprendre la mer. Je sais maintenant que c'est ce que Scarlett aurait voulu. À une prochaine fois, l'ami. Nous nous retrouvons peut-être en mer. Oh, mi amor. Voici l'heure des adieux, mi amor. Mais je n'aime pas les mots adieux. Cette ville est un peu la tienne maintenant. Reviens le voir quand tout va. Tout sera bien accueilli. Et attention à toi. Et à très bientôt. Le bateau va pas tarder à arriver. C'est ça? Oui. Oh Mario! On est arrivé juste à temps! On nous a apporté ça! On a pensé que ça vous ferait peut-être un petit plaisir d'avoir quoi manger sur le voyage. Ils sont tout frais! Comme c'est gentil. Merci beaucoup. Mes amis, sans vous, notre monde serait à l'heure qu'il est, plongé dans les ténèbres. Vous l'avez sauvé grâce à votre soif de paix. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Merci du fond du cœur. Mais c'est nous qui vous remercions. Si vous n'étiez pas venus dans notre ville, Quoique Sinistre ou la Reine des Ténèbres auraient accompli leur dessein. Ça fait froid dans le dos, rien d'y penser. Princesse, le bateau est en vue. Bien. Alors, portez-vous tous bien. Au revoir. Oh non, mon saillon. J'ai eu une petite panne d'oreiller. Allez, embarquez. Vous serez chez vous en moins de deux. Cap sur le royaume champignon. Ah, quel gens merveilleux. Je ne devrais pas garder un bon souvenir de cette ville où j'ai été enlevé, mais pourtant... La canaille me paraît être un endroit sensationnel. C'est Mario. J'ai eu très peur quand on m'a enlevé. Mais... Enfin... Mec m'a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve. Et puis... Je savais bien que tu viendrais me délivrer. Merci Mario. Désormais, j'obéirai à Papy Champi et j'essaierai de me comporter en princesse. Regarde Mario, oh, la canaille brille dans le soleil couchant, c'est beau. Et donc, quelle aventure! Ah, ma dis donc, quelle aventure! Enfin, l'essentiel, c'est que la princesse Peach soit rentrée et sortie d'affaire. Dire que tu as sauvé tout le monde, tu es vraiment incroyable, tu sais.
Et même si tu viens de rentrer, je suis sûr que tu es prêt à repartir. Ah, je me demande ce que font tous tes nouveaux amis en ce moment. Tiens, j'ai l'impression que tu as reçu un email. Cher Mario, comment vas-tu? Ici Gomeni. Je suis dans le bureau du professeur Gomenshine. Il reste beaucoup à trouver sur la légende, même si la reine des thèmes n'est plus. Je poursuis donc les recherches avec le professeur. Les informations recueillies pendant notre aventure facilitent bien le travail. Les légendes contiennent parfois certaines vérités, tu sais. Au fait, devine ce qu'il y avait dans le coffre que le professeur a trouvé. Alors, je le dirai pas. Ce sera la prochaine fois que tu viendras nous voir. Tu sais, j'ai refait notre voyage depuis ton départ. Et j'ai revu tous les amis qui ont partagé notre aventure. Ah, salut Flo. Toupac coule des jours paisibles chez lui, avec son père et Copeline. Dis Mario, tu sais quel est le rêve de Toupac? C'est de devenir le chef de son village pour le maintenir toujours en paix. Étonnant, non? En tout cas, il n'a pas changé, et j'étais content de le revoir. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup mûri. Sauf quand il était avec Copeline, bien sûr. Emilia a fait son comeback sur les planches et elle est en pleine forme. Elle joue dans une pièce adaptée de nos aventures. La pièce s'appelle Paper Mario. Elle est très drôle. Et Rumple a été accepté dans la troupe par je ne sais quel miracle. Les métamorphoses rendent service, paraît-il. Mais... ça m'a fait tout drôle. Les poignets! Yoshi combat dans les arènes de Yunnanville. D'après ce qu'il a dit, il devrait bientôt affronter le champion. Sais-tu le nom qu'il a choisi? Super Gonzalez Junior. Ça m'a fait rire, mais j'ai trouvé ça vraiment mignon au fond. Ah, au fait, il m'a dit comme ça. Moi, Gonzalez, il en faudrait qu'une bouchée maintenant. On le changera pas. Viviane est retournée auprès de ses sœurs. Depuis que l'obscur trio n'est plus, Marjolaine et Marilyn sont moins méchantes. Marjolaine m'a même fait la promesse de ne plus gronder Marilyn. J'espère que désormais, ce trio de sœurs s'entendra de mieux en mieux. N'oublie pas d'aller rendre visite à Viviane de temps en temps. Bombard prend la mer tous les jours sur le bateau de Cortès. Je l'ai rencontré par hasard il n'y a pas longtemps sur l'île de Tropatros. Il est dans une forme tout à fait explosive. Sa chère Scarlett doit se réjouir de le voir comme ça, si elle pouvait le voir. Ah, j'ai oublié. Tout le monde allait aussi très bien sur l'île. Carmina a repris son travail dans la boutique de badge de Port-la-Canaille. Elle vient parfois me rendre visite au bureau du professeur. Mais dès qu'elle quitte la boutique, c'est toujours pour chercher des badges. Elle m'a dit qu'elle venait justement d'en trouver un rarissime l'autre jour. Je suppose qu'elle restera toujours la souris voleuse qu'elle est au fond. Du coup, il n'y a pas l'épilogue de Carmina si on la sauve pas, si on la met pas dans nos amis. Question que je me pose. Enfin, voilà pour les nouvelles. J'ai entendu dire pendant mon périple que Cruxinistre et Cruxeros étaient en vie. Quelle ténacité, si c'est vrai, mais bon. Ont-ils retenu la leçon ou pris de bonnes résolutions comme Marjolaine? D'accord. En parlant de personnes bien vivantes, j'en connais une autre. Quelqu'un que t'aimes beaucoup. Et Peach encore plus.
Pugno. Bon, je crois que tu sais tout. Sache que malgré les moments difficiles, notre aventure m'a beaucoup plu. Je dois avouer maintenant que je t'ai caché quelque chose jusqu'à la fin. À vrai dire... Non, je préfère pas dévoiler ce secret non plus. On se met toutes mes amitiés à la princesse Peach. À bientôt, Mario. Mon ami, Gumeli. Ma, formidable! Ils ont tous l'air d'être en pleine forme! Bien, nous avons de la visite. Oui. Oh, bonjour! Bonjour, Mario. Bonjour, Luigi. Excusez-nous d'arriver sans prévenir, mais l'autre jour, nous avons fait le ménage dans le dépôt du château et nous avons trouvé quelque chose d'incroyable. Oui, on a trouvé une carte au trésor. Cette fois, c'est sûr, il y a un trésor caché quelque part. Viens, Mario, partons à sa recherche. Le bateau nous attend. Et c'est terminé! Wouhou! Après tout ce temps, enfin! On a fini Paper Mario 1 et 2! Wouhou! Voilà! Quelle aventure! Ça a mis le temps! Eh, ça va, si ça vous faisait chier, fallait le dire! Non! C'était quand même sympa à faire. Bon. Plus que deux Paper Mario sur la chaîne. Oui, c'est vrai que Origami King a déjà été fait avant. Est-ce que je ferai les autres? C'est pas certain. En vrai, Super Paper Mario... Je suis pas extrêmement fan. Peut-être que je le ferai pour le principe, mais... Pas certain. Je compte pas Sticker Star. On verra bien, peut-être que je ferai les autres opus, mais c'est pas sûr du tout. C'est pas impossible, mettons pas ça hors de possibilité, mais ça sera pas dans mes priorités. Il y a toujours Mario et Luigi, où on va continuer, on va faire au moins les trois premiers opus, parce que c'est les meilleurs, après c'est moins ma cam. Hein. Donc on a encore déjà deux gros RPG Mario à faire, donc ça au moins, c'est pas fini. Ah, oh, y'a Pugno et Pugnita! Pardon. Et Pugni! Oh oui, les Pugni, ils font des sœurs! Oh oui! Bref! Au lieu de péter un câble comme ça... Pour nous, c'est terminé. Qu'est-ce qui remplacera Paper Mario? Je ne sais pas encore. J'ai pas encore décidé. J'aimerais bien rester dans un jeu un peu coloré, ce genre de choses. À vrai dire... Même pour tout vous avouer, dans un premier temps, j'avais pensé enchaîner avec Final Fantasy IX. Mais au vu des dernières rumeurs qui courent, il est possible qu'un remake débarque. Donc je vais encore repousser ma possibilité de faire FF9. Et on verra si cette possibilité se concrétise. Si jamais on a un remake, je vous ferai un remake de Final Fantasy IX. Si c'est pas le cas, je vous ferai... FF9 original modé en HD, parce qu'il y a un mod, le Mogori mod, qui le rend sublime, et il y a déjà un taf de fou dessus. FF15 alors, FF15 je l'ai déjà fait de mon côté et j'ai pas envie de le refaire parce qu'il est trop long, mais FF15 est génial. Let's go refaire la trilogie FF13. Alors pas la trilogie, mais par contre on peut toujours essayer de se négocier pour faire les boss de fin ensemble, mais en vrai les boss de fin je les trouve pas passionnants, ils me donnent pas envie de les faire. Paper Mario, je vais juste quand même le dire, on refera au moins un dernier live dessus où on se fera le donjon des 100 étages en entier pour aller jusqu'à la fin et affronter le boss secret. Voilà, ça on le fera au moins une fois, je vous le dis, parce que c'est marrant à faire et le boss secret il est un peu hard. Bon après c'est pas non plus exagéré, mais il est quand même là. Quel enfer! Mais ça va PF, t'as fini un peu? Un peu beaucoup, ah ouais, je sais.
Et on a peut-être aussi des quêtes secondaires, mais peut-être que je ferai les quêtes secondaires de mon côté. Comme ça, quand on refera le live, la prochaine fois sur Paper Mario. Alors, je dis pas que c'est le prochain live qui sera Paper Mario. On pourra faire le... On pourra faire le donjon aux 100 étages. Et comme ça, ça fera juste l'épisode. On fera juste ça, ça sera un bonus pour vous. Du coup... bon, quand vous verrez la rediffusion, ça sera d'actualité. Mais bon, ça va vite disparaître dans le temps. Comme je l'ai déjà annoncé, on va être en pause pendant 2 semaines. Donc jusqu'au 18 mars. Petite pause dans les lives et sur la chaîne. Comme ça, on sera tranquille. Et quand on reviendra, on pourra réattaquer avec 2 nouvelles aventures. Soit Crash 2 pour enchaîner. Soit on fera un autre let's play, puis Crash. Et je ne sais, comme j'ai dit, je ne sais pas encore ce qui va remplacer Paper Mario. Mais je vais bien trouver. Je pense que les possibilités sont pas minimes et j'ai bien assez de jeux. Il y a aussi une autre aventure que je dois faire maintenant que j'y pense. Un épilogue d'aventure, pour être plus précis. Ça peut être une possibilité. En tout cas, pour Paper Mario, c'est terminé. Quant à moi, la rediffusion, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. C'était Drakkane. Ciao tout le monde.